Maluma sa ivet Maiva wa sheri Boba sa bakom kina biwa bitabe e Manga betona ivet Pour moi tu es nécessaire Nous ne pouvons nous séparer à jamais Au grand jamais Manga betona ivet Pour moi, tu es nécessaire. Nous ne pouvons nous séparer à jamais, au grand jamais. Manga Bozona, Yvette, pour moi, tu es nécessaire. Nous ne pouvons nous séparer à jamais, au grand jamais. Manga Betona, Yvette, pour moi tu es nécessaire. Nous ne pouvons nous séparer à jamais, au grand jamais. Bisa kifa kanano iveto Biwa bisa kifa kanano iveto Akale dinga manga diwa eneneno Akale dinga manga diwa eneneno Oh iveto Oh chéri mon cœur Oh aimé Ova wava maya kakao Biwabisa kifa kanano mon trésor Biwabisa kifa kanano mon amour Akale dinga manga diwa eneneno Akale dinga manga diwa eneneno Oh chéri Oh vawa vama Oh mami Oh vawa vama yakakao Biwabisa kifa kanano iveto Iveto, biwa bisa kifa kanano Iveto, Iveto Akale zinga manga ziwa enene zinga eneneno Akale zinga manga ziwa eneneno Oh Iveto, oh chéri mon cœur Oh aimé, mwava wava maya kakao Paradis, vous savez, les services qu'on a faits et que d'autres font jusqu'à aujourd'hui, j'étais motocycliste dans la gendarmerie nationale gabonaise, motard. Alors, à l'escorte du défunt Marien Gwabi, j'ai fait un accident à l'entrée de l'ancien port. Donc, ma moto, la roue avant avait formé le 8, et moi-même j'étais sorti indemne, sans trace. Et c'est là où mes collègues m'ont surnommé du paradis. Donc je ne m'étais pas fait du mal, mais ma moto était bousillée. La roue avant a formé le 8 comme ça. Moi-même, je me retrouve à l'hôpital général, à la salle de réanimation, rien qu'avec quelques égratignures. Mais voir l'état de ma moto,
C'est là où mes collègues m'ont dit, ah, ça c'est quelqu'un qui sort du paradis. Parce que je suis resté vivant, je ne suis pas mort. C'est pour cela que j'ai eu le nom de Du Paradis. Ce sont mes collègues à l'escorte présidentielle qui m'ont donné ce surnom. L'histoire de son Livette. Vous savez, une femme que vous aimez beaucoup, vous ne l'épousez pas. De peur d'avoir des scènes de jalousie à la maison. Vice-versa, bien sûr. Bon, Yvette, en tant que telle, c'est pas elle que je devais épouser. C'est sa grande sœur. Alors, j'étais en congé administratif au village. J'étais tombé amoureux d'une certaine dame. Derrière moi, j'apprends qu'elle s'est déjà fait un autre fiancé et qui s'apprête à se marier. Elle a trouvé mes ailleurs. Bon, c'est tant mieux. Et sa cadette immédiate s'appelait Yvette. Et en attendant, la chanson était déjà composée. J'ai enlevé seulement son prénom pour mettre le nom de sa petite sœur qui s'appelle Yvette, pour qu'il n'y ait pas de problème de foyer. Mais autrement dit, entre Yvette et moi, il n'y a pas de relation sexuelle. Thank you.